Ah ouais? Non. Madame. Haram. Madame, attendez. Hein? Marie. Ah ouais? Oui, Thomas. Ah ouais? Thomas working. No one home. De maison. No. Ah ouais? Thomas. Ah ouais, c'était fatigué aussi. Fatigué. Comment allez-vous? Ok. Bonsoir. On va faire un direct de routine pour rentrer chez moi à la maison. Vous savez, et c'est mon voisin. Hello, voilà, et c'est mon voisin. La maman, Ariane, comment tu vas? Vous savez, on va causer un peu, hein. C'est pas une vidéo de framponnage, on va causer un peu. C'est-tu. Hein? Ah, ok. C'est une vidéo de routine. On dit que... Attends, je vais m'essayer. On dit que... La Russie, n'est-ce pas, fuit l'Ukraine parce que il n'y a pas... Non. Ok. On dit la Russie fuit l'Ukraine parce que la débandade et que les Africains ne doivent pas compter sur la Russie. Je n'ai jamais voulu parler de ce thème-là pour ne pas dire sur ce sujet-là. Mais pour moi, ce n'est pas un sujet important de communication. Voilà. Par contre, il faut en rigoler. Je vous donne aussi une seule réponse. Est-ce que vous êtes au courant que les Américains, ils ont fui l'Afghanistan après 20 ans? Est-ce que vous savez que les Américains, malgré les armes qu'ils ont, la bombe nucléaire, ils ont fui l'Afghanistan sans dire au revoir à quelqu'un? Est-ce que vous savez que les Français ont fui, ils ont fui la Libye sans dire au revoir à quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Mais quand on dit ça, là, il faut les opposer à cela. On est en communication. Ne vous laissez pas piétiner dessus. Parce que quand je vois ça, ça me désole. Que vous ne puissiez pas parler de ça. Actuellement, là, on dit que la Russie est en difficulté, selon eux, en Ukraine. Ok. Et que la Russie part, elle laisse des armes. Elle arme la main ukrainienne, ok. Mais la main américaine, là, on a vu en Afghanistan, les soldats, les talibans, ont paradé, n'est-ce pas, à Kaboul, avec des chars, avec des véhicules américains. On a vu devant tout le monde. Alors que les États-Unis sont restés pendant plus de 20 ans. Et donc, quand on vous dit ça, il faut que sous le dit que ce n'est que la poudre de perles pépins. Une chimère de communication. Quand on vous dit que la Russie n'arrive pas à contenir l'Ukraine, mais dites-moi, pourquoi les États-Unis, la plus grande puissance au monde, n'a pas pu contenir l'Afghanistan? Pourquoi? Pourquoi les petits Yémen, là, ils n'arrivent pas à contenir ça? Pourquoi est-ce que la Somalie, là, qu'en Afrique, là, il n'arrive pas à contenir cela. Il y a eu plus de 20 soldats, plus que ça, américains qui ont été tués en Somalie. Ils sont partis. En Somalie, chez nous, en Afrique, là, ils sont partis. Donc, vraiment, en disant que l'Ukraine, Poutine a la bombe atomique, il est encore humain. Poutine est encore humain. Mais quand ils ont frappé Nagasaki et Hiroshima, qui a parlé? Non, de vous à moi. Quand les Américains ont frappé Nagasaki et Hiroshima avec la bombe nucléaire, qui a parlé? Donc Poutine, là, il peut frapper. Il peut frapper l'Ukraine avec la bombe nucléaire et puis il n'y a rien. Hey! Parce que les Américains ont frappé Hiroshima avec la bombe nucléaire. Donc,
Si Poutine veut, il frappe. Et puis, il n'y a rien. De la manière qu'il n'y a rien eu là, pour les Américains là, ça sera aussi sera pour la Russie. C'est tout. Vous voulez pousser Poutine à aller frapponner, à utiliser la bombe atomique, c'est ça? C'est ça? Il veut le pousser à aller utiliser la bombe atomique. Parce que sinon, de vous à moi, les Américains ont utilisé la bombe atomique à Hiroshima. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si Poutine veut là, il va frapper également en Russie, en Ukraine, parce qu'ils ont la puissance nucléaire, et puis il n'y a rien. On a vu en Syrie, seulement les gaz en Syrie, là. La Russie a fait fuir la communauté internationale en Russie, en Syrie. La Russie a fait fuir la communauté dite internationale en Russie, en Syrie. Chaque jour que Dieu crée, Bachar et Assad, Bachar Assad, Bachar et Assad, la Turquie, la Syrie. Pendant plus de 4 ans, ils nous ont bombardés avec affaire de Syrie. Chaque jour que Dieu crée, Bachar et Assad a tué telle personne, il a tué quelle personne. Mais quand la Russie est venue là, ils tous ont fui. La Russie est venue épauler Bachar et Assad, et tous ont fui. Et tout le Al-Qaïda est fini maintenant. Il n'y a plus Al-Qaïda encore en Syrie. Il n'y a plus État islamique en Syrie. C'est maintenant l'Afrique. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est eux qui arment ces gens-là. C'est eux qui arment ces gens. Les Amadou Koufa et tout. C'est eux qui les arment. Sinon, on a vu en Syrie tout le Abu Moussa Barzakhawi. Tout cela, on a vu là-bas, on a vu tous les jours, reportage, France 24, RFI, en Syrie, il y a eu tant à Alep, il y a eu tant dans tout le coin, tous les jours que Dieu crée. Mais la Russie est venue là, ils ont nettoyé, c'est tout. Est-ce qu'on parle encore de ça? On parle plus de ça? Aïe! C'est les manipulateurs. C'est des manipulateurs. Mais souvenez-vous, sur la Syrie, ils sont venus ici tous les jours que Dieu crée. Les mausolées, n'est-ce pas, de quoi là, ont été cassés. Ils ont tout dit, ils ont tout parlé. Ils ont tout dit, ils ont tout parlé. Mais à la fin, on a dit quoi? Ils étaient là, tous les jours que Dieu créait, on voyait les exploits des terroristes qui prennent les villes en Syrie. Ils attaquaient n'est pas Damas. Chaque jour que Dieu créait, non, Damas allait tomber. Bachar Al-Assad allait partir. Mais Poutine l'appelait, que tu vas être là. Mais il est là encore là. Dis non, laissez les gens. C'est des plaisantins. Laissez-les parler. On a vu ici Bachar Al-Assad. Il était acculé. Toute la communauté internationale. Tous les terroristes du monde, ils ont soutenu ça. Toutes les armées ont dit non, il y a des terroristes à gauche, à droite. On a vu la fin. Dès que Poutine a sonné les gars, il a framponné. Ils ont tous fui. Ah, Dieu, laissez ça. C'est des plaisantins, mon frère. C'est des plaisantins. On a vu en Syrie. Allez-y voir d'abord l'histoire de la Syrie. Pour comprendre qui alimente les terroristes. Quand vous allez regarder l'histoire de la Syrie, avec une seconde révolution, et après, ils ont armé les groupes rebelles. Tous les jours, toutes les chaînes de télévision, direct, les rebelles sont dans la capitale, ils ont pris les villes, mais où sont les rebelles aujourd'hui? Mais ils ont disparu comme par hasard. Dès que la Russie est rentrée en marche, elle a frapponné et tous ont fui. Maintenant, on dit que pour que la Russie recule en Ukraine, une seule chose, si la Russie utilise la bombe atomique, là, personne ne parlera. Si la Russie utilise la bombe atomique, personne ne parlera. Parce que la preuve en est, le régime de Syrie a utilisé les gaz pour casser les rebelles,
les terroristes là-bas, en Syrie, c'est parti où? Zéro, nulle part. Donc, si la Syrie, si la Russie veut, elle utilise comme les États-Unis la bombe atomique. Seulement un peu, c'est fini. Les gens parlent beaucoup. C'est une puissance de feu. Donc ceux qui prétendent que la Russie n'arrive pas à laisser les armes en Ukraine, Poutine est trop gentil. C'est lui qui joue avec le plaisanteur qu'on appelle Zelensky. C'est lui qui joue avec lui. On peut accepter un combat à un moment donné. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'annexion de certaines régions. Moi, ma position, c'est que ça, je l'ai dit. Malgré que, bon, je suis pragmatique, mais j'ai ma conception. Je n'accepte pas l'annexion de certains pays comme le Rwanda annexe le Congo, comme la Côte d'Ivoire, comme Ouattara veut aussi également jeter son hégémonie sur d'autres pays. Ça, je n'accepte pas. Mais par contre, si on veut défier la puissance militaire de la Russie, mais sa bombe nucléaire, c'est tout. Mais moi, je ne comprends pas. Voici les petits qui là-bas en Corée du Nord. Quand ils se lèvent le matin, ils jettent une bombe. Personne ne parle. Et il dit que c'est parlable. Les petits là, c'est en Corée du Nord. Mais quand il est fâché, il jette une bombe. Il dit bonsoir à vous. Personne ne parle. Kim Jong-un. Ils ont mis toutes les sanctions. Mais ils sont vivants. Ils n'ont pas mis toutes les sanctions contre le Mali. Le Mali sera vivant. Qui met toutes les sanctions contre le Mali? Le Mali sera debout. La Corée du Nord, là, ils ont mis toutes les sanctions. La Corée du Nord est debout. Depuis plus de combien d'années? Ils sont debout. Il faut changer de partenariat, c'est tout. Les petits là-bas, quand il est fâché, il est mal coiffé, il appelle, comment dirais-je, la poudrière. Il appelle la mûrier. Il dit qu'il faut lancer une bombe atomique et un missile sur, comment dirais-je, sur la Corée du Sud. C'est là qu'il... Comment... Quand il est fâché là, il demande au gars, il appelle à la poudrière. Il dit bon, est-ce qu'il y a les têtes qui sont bien policiées là? Lance un missile sur la Corée du Nord, la Corée du Sud. Lance un missile sur le Japon. Et puis il n'y a rien. Mais là-bas, là, c'est un pays qui est sous sanction de l'ONU depuis longtemps, mais il s'en gaba. Parce que c'est un pays qui est soutenu par la Chine et la Russie. C'est tout. Il a dit qu'on va équilibrer les forces. On a compris le jeu. On va équilibrer les forces. Bon, tomorrow. Hein. Ok, tomorrow. C'est bon? À demain. À demain. Merci beaucoup. Il good? Ok, merci beaucoup. À demain. On va équilibrer les forces. Quand le petit se coiffe là, il dit, mais mon barbier là, il m'a rasé. Mais il m'a blessé. Joe, t'es où là? Appuie le bouton MI 170 003. Et puis tu jettes un missile. Et direction Corée du Sud. Il n'y a rien. Faut aider. Même l'ONU qui parle là. Le plaisanteur qu'on appelle Antoine Guterres, il ne parle pas. Parce que quand il parle là, il dit non, mon ami, peut-être on va pas se gâter. Hein. C'est la bombe atomique là-bas. Hein. Bientôt, le Mali aura la bombe atomique. Bientôt, le Mali doit avoir la bombe atomique. Voilà, il faut qu'on va demander à Poutine de donner la bombe atomique au Mali. Oui, on va demander à Poutine. C'est notre nouveau combat. Il faut qu'un pays africain ait la bombe atomique. On va demander à Poutine qu'il donne la technologie aux Maliens d'exploiter la bombe atomique. On a l'uranium, on a tout. Ils vont nous respecter. Si je joue au con, on envoie un missile. On envoie un missile dans le désert, dans le Sahara. Ils vont comprendre. Donc quand on vous dit que... Deux secondes. Quand on vous dit que Poutine est parti, Poutine est parti, la fuit, la Russie et l'Ukraine avec les armes,
Laissez-les parler. C'est des plaisantins, c'est des zozo. Les journalistes payés, vendus, c'est des manipulés. Un pays qui a la bombe atomique. Mais s'il veut là, il appuie seulement et puis il s'apprend ça. Satan 2, Satan. Ah, dis donc. Quelqu'un qui a la bombe la plus puissante au monde, qu'on appelle Satan 2. Mais Poutine, il a gros cœur. So, il y a longtemps qu'il a frappé. Attends. Moi, je m'appositionne sur l'intervention militaire en Russie et en Ukraine. Mais j'ai dit que Satan 2, là, il a Satan 2. Le missile le plus puissant au monde. Si Poutine donne feu vers là, c'est gâté. Et même qu'on a fait là. Ah, Poutine. Non, c'est un garçon, hein. La Russie est un pays puissant. Toutes les centrales nucléaires que l'Ukraine a là, c'est les centrales nucléaires qui appartiennent, n'est-ce pas, aux Russes. Les Russes sont très intelligents. C'est le présenter, laissez-le parler. Poutine, vraiment, c'est parce que s'il passe à l'acte, ça sera dévastateur. Parce qu'en utilisant la bombe atomique, là, c'est pas bon. Mais ils ont la bombe atomique. Si Poutine veut, c'est pas les Kalachnikov, les PA qui laissent le terrain, les chars. Il a la bombe atomique. Il a Satan 2. Il suffit qu'il appuie sur le code nucléaire. Il va raser l'Ukraine. C'est fini pour nous tous ici en France. Et ils savent ça. Ah. Oui, le Mali. Oui, oui. On va demander à Poutine d'aider le Mali avant la bombe. Mais pour moi, c'est quoi? Quand tu es un plaisantin, tu es un zozo. C'est que tu es un abruti. Tu penses que pour fabriquer la bombe atomique, c'est quoi? Il faut la technique. La Corée du Nord, la bombe atomique, abruti. Va te former encore. La Corée du Nord a la bombe atomique. À cause de qui? À cause de la Russie? À cause de la Chine? Israël? Israël, là, petit pays, là, a la bombe atomique. Abruti. C'est pas Mali, là, qui a 1 million de kilomètres carrés qui ne peut pas avoir la bombe atomique. Il suffit même pas d'avoir les partenaires en la matière. Mais l'Iran a la bombe atomique. Joe. Pourquoi Israël fait tout en Palestine, personne ne parle? Parce qu'ils ont la bombe atomique. Ah, quoi de quoi là? Petit pays qu'on appelle Israël à bombe atomique. Qu'au Mali, c'est nous les Africains, on est trop frustrés. C'est nous, Africains, là, on est en arrière. Sinon, les autres, ils sont trop en avance. C'est Africain qui est trop con. Nous sommes des cons. Je m'excuse, mais nous sommes des cons. Les autres continents là, c'est comme la Chine. La Chine, pour influencer ici les autres continents, a armé la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle est rebelle. La Chine se joue n'est pas les pacifistes. C'est ça le jeu, c'est ça l'enjeu. C'est une guerre géostratégique. La France pouvait également armer un pays africain avec la bombe atomique, comme l'a fait la Chine avec qui? Avec la Corée du Nord. Pour que demain, il n'y ait pas des zones d'influence. Mais la France, qui est un seul pays, nous couvre nous tous. La Chine a la bombe atomique. Le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord, la Russie. Quel pays africain a la bombe atomique? La bombe nucléaire? Personne. Quel pays africain a la bombe nucléaire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais alors que c'est une arme de dissuasion. La bombe nucléaire est une arme de dissuasion. Pourquoi il ne peut pas intervenir en Ukraine? Parce que s'ils interviennent là, Poutine a dit, la ligne rouge, et tous seront gazés. Mais on doit réfléchir. Africain est là, en train de suivre les gens. Réfléchissez un peu. Parce que les autres, ils évoluent. Nous, on est là, on suit les autres. Les petits, là, la Corée du Nord, c'est un petit pays. Hein. Mais c'est un pays qui est respecté. C'est un pays qui est sous embargo. Sous embargo. Depuis des décennies.
mais que la bombe nucléaire. Ils ont mis sanction, ça part où? Zéro. Quand ils élèvent, ils lancent missiles, ça part où? C'est nous le derrière, comme les fesses. Les autres ont réfléchi. Ils savent qu'il faut avoir une puissance, une force de dissuasion, qui est la bombe nucléaire, qui permet d'imposer le respect. Donc on va demander à Poutine de donner la bombe atomique au Mali. De permettre au Mali d'avoir la bombe atomique, la bombe nucléaire, pour qu'on puisse être respecté. C'est important. C'est tout. Enfin, les aboutis n'ont pas compris l'enjeu. C'est un combat géostratégique. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris. Citez-moi un seul pays africain qui a la bombe nucléaire. Il n'y en a pas. Citez-moi un seul pays africain qui a le nucléaire, la bombe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On est derrière. On doit chercher de nouveaux partenaires. On doit travailler pour nous-mêmes, notre propre protection. Même au sein de l'ONU, on n'a pas un siège permanent. Un continent avec des milliards d'habitants, on n'a même pas un siège permanent à l'ONU. Mais c'est malheureux, hein? C'est malheureux, hein? Un pays, un continent, l'Afrique, n'a pas un siège permanent à l'ONU. On a le siège tournant. Et puis encore, on n'a même pas le droit de veto. On n'a pas le droit de veto à l'ONU. On n'a pas le droit de veto. C'est-à-dire que pour dire non à une résolution, on n'a pas le droit. Ah, mais on est derrière. On est derrière, comme les fesses. Citez-moi un seul pays africain qui a le droit de veto à l'ONU. Il n'y en a pas. On est 54 pays en Afrique. 54 pays en Afrique. On n'a pas le droit de veto à l'ONU. Et vous parlez de quoi? De considération? Non, je pose une question. Il faut réfléchir avant d'agir. Est-ce qu'un pays africain peut imposer pour dire à l'ONU, on dit non, il n'y en a pas. On doit sortir de cela. C'est ça notre combat. 54 pays réunis, des milliards d'habitants, sont respectés. On est plus peuplé que la France qui a le veto à l'ONU. On est plus peuplé que l'Inde ou bien le Pakistan qui a le veto à l'ONU. Mais nous, on n'a pas de veto. On est plus peuplé que les Américains. Mais on n'a pas le veto à l'ONU. Le continent africain tout entier, on n'a pas le droit de veto. On a un droit de civisme. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? C'est ça qu'on veut changer. C'est ça notre combat. On n'a pas autre chose à faire. On veut notre dignité. Ceux qui n'ont pas compris cela doivent comprendre l'enjeu du combat que nous menons. Le 8, on a Château Rouge. Merci beaucoup, Déo. Pour manifester, on se bat pour notre dignité, c'est tout. Israël que tu vois là, est respecté plus que l'Afrique tout entier. Le pays qu'on appelle Israël est plus respecté que tous les pays africains. N'est-ce pas, comment dirais-je, cotisé. Parce que l'Israël a une force de dissuasion. La Corée du Nord est respectée plus que tous les pays africains réunis. Parce que la Corée du Nord jette un missile. Il n'y a pas de garçon qui va riposter. C'est le président américain qui va en Corée du Nord pour aller discuter avec Kim Jong-un. Le président américain va, Trump se déplace jusque en Corée du Nord pour aller discuter parce qu'ils ont la bombe atomique. Chez nous, on a la bombe, n'est-ce pas, du cuissage, la bombe de l'esclavage, la bombe des guerres, la bombe de cogner les têtes des autres. La bombe d'inciter son prochain. La bombe de tuer son frère. Chez nous,
On a la bombe de l'hypocrisie, de la sorcellerie, la bombe de la manipulation, la bombe de la courbette, du civisme. Chez nous, on a la bombe du civisme. L'Africain, comme si on était né pour être maudit, pour être toujours derrière. C'est ça que l'on nous a inculqué, qu'on n'a pas de sens ni d'existence, et que nous sommes des sous-hommes. Ils ont inculqué ça depuis des siècles. Depuis que le panafricanisme n'a pas pris forme aux États-Unis. Parce que le panafricanisme a pris forme aux États-Unis à travers ceux qui étaient déportés là-bas. C'est eux, c'est la Grande-Bretagne qui a signé, n'est-ce pas, le premier traité. Arrêtez pour dire non à l'esclavage. Je précise, non à l'esclavage, si je ne me trompe pas, la Grande-Bretagne. Mais d'où vient l'impulsion du panafricanisme des États-Unis? Ceux qui ont été déportés là-bas ont compris qu'il faut un enjeu, il faut une dynamique. Le panafricanisme, la solidarité africaine, parce qu'ils ont été déportés, ils ont souffert, ils ont vu la tête négrière. Il y a eu, après la tête négrière et l'esclavage, et les déportations forcées et volontaires, c'est là la création du Libéria qui, ma foi, a impulsé le panafricanisme à travers les pas des sachants qui sont venus pas des États-Unis, du Brésil. Cette veine panafricaniste, pour ceux qui étaient là-bas, qui ont vu qu'ils ont été arrachés à la même patrie, il fallait ressouder tous les Africains de la diaspora et de l'Afrique pour faire un front commun politique, social et économique. Cette dynamique a été embrassée par Senghor, sans oublier par Kwame Nkrumah. C'est ça, le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Je suis désolé. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Ceux qui veulent souvent nommer des panafricains, soi-disant, veulent en Europe. Non. Le panafricanisme est né aux États-Unis. C'est pas né en Afrique. Le premier congrès des panafricanistes, c'était en 1900. C'est pas en Afrique. C'est ceux qui ont été déportés et leurs descendants qui ont, ma foi, impulsé ce combat des panafricanistes. Donc, les panafricains, là, ne sont pas venus de l'Afrique. C'est ceux qui ont été déportés, inspirés. Voilà pourquoi les panafricains sont à l'extérieur. Parce qu'on parle de quoi? De la diaspora. Les panafricains parlent de quoi? De la diaspora et des Africains qui vivent en Afrique. Pour créer une communauté politique, une influence politique, économique, sociale. C'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas né. Quand certains nous insultent, les abrutis, les seuls intellectuels, qui ne savent même pas leur histoire, qui nous disent que rentrer en Afrique, pour aller faire votre combat. Ne restez pas en France pour le faire. Mais le panafricanisme n'est pas né en France, en Côte d'Ivoire. Le panafricanisme n'est pas né sur le territoire africain. Non. Je mets quiconque au défi de me dire que le panafricanisme est né en Afrique. C'est faux. C'est depuis les années 1800 jusqu'au premier congrès en 1900. Ça a été poussé et galvanisé par Kwame Nkrumah et Senghor à travers ceux qui sont venus depuis les États-Unis et le Brésil. Donc, le panafricanisme n'est pas, c'est ceux qui ont souffert les martyrs de l'esclavage et la tête négrière à travers leurs descendants qui ont été déportés au Libéria, à Freetown, qui ont créé, n'est pas, en 1958, qui ont eu leur indépendance. C'est à travers ceux-là, les Marcus Garvey, les Haïlé Selassie. C'est une inspiration de ceux qui ont souffert. Et donc, nous sommes. Nous galvanisons cela parce qu'elles étaient à l'extérieur. Mais sinon, comment le combat panafricaniste peut avoir une ressource tant qu'il n'y a pas une diaspora? C'est la diaspora qui a été déportée en Haïti,
puisque c'est les Haïtiens, les Africains qui étaient déportés en Haïti. C'est également déporté au Brésil. Déporté également aux États-Unis, qui ont mis et qui ont forcé la conception du panafricanisme. Et qu'ils sont retournés en Afrique à travers des départs volontaires et forcés, cette conception du panafricanisme a émergé, a été forgée. Pourquoi c'était vu qu'on soit en Afrique? Pour galvauder, pour vendre les panafricanistes. C'est parce qu'ils ne savent pas. Nous sommes trop forgés dans la tête. On est trop gavé dans la tête. On n'est pas formaté. On est trop gavé dans la tête. Gavé positivement. Par le combat que nous avons épousé, on connaît le combat là. On le sait. On a déjà lu des livres de Philippe. Philippe, c'est un ancien, un grand panafricaniste des années 1800. J'ai lu ce livre de ces gens, des grands panafricanistes, qui ont mis les fonds baptismaux. Donc c'est important de savoir notre histoire. Quand tu sais ton histoire, tu ne peux te perdre. Alors, frères et sœurs africains, après la déportation, après avoir vendu nos frères au Brésil, il n'y avait pas de Noirs. Les Noirs ont été pris en Afrique pour envoyer n'est pas en Amérique latine, pour envoyer où ça? Pour envoyer au Brésil, Haïti, aux Antilles, aux États-Unis. Il n'y a pas de Noirs là-bas. C'est chez nous qu'ils les ont pris, en Afrique. C'est eux qui ont créé le panafricanisme. Frères et sœurs, quand vous savez votre histoire, vous savez où vous partez. Maintenant, ceux qui ont décidé de venir et de se battre pour leur dignité ont laissé des héritages pour vous, pour moi. Alors, imprégnons-nous de ces héritages-là et continuons leur combat. Quand c'était vous dit que vous êtes panafricaniste, comme j'ai entendu d'une manière laconique, par des pseudo-intellectuels, si la chaîne NCI dit que les panafricanistes sont en France, mais ils ne savent pas l'origine du panafricanisme. Ils ne savent pas. C'est des ignorants. Mais qui ont été à l'école, mais qui ne savent pas la source du panafricanisme. Ils ne savent pas. Et ils s'étonnent de voir un certain sur de Paris qui est en France. Mais ça a commencé où? Au Brésil? Ça a commencé où? En Haïti? Ça a commencé où? Aux États-Unis? Avant d'aller créer des États en Afrique. Parce que le but était d'aller créer des États africains, typiquement africains, parce qu'après la traite négrière et l'esclavage, il fallait créer des États africains. Mais on va chez nous encore, nous sommes sous tutelle. Mais ce n'est pas le but du panafricanisme. Le but, c'est d'être socialement, économiquement, politiquement, religieusement, n'est-ce pas, africain. C'est ça le panafricanisme. Donc il n'a pas compris. Ce n'est pas lui, un français, il a Paris. Non, ce n'est pas ça le but. Vous n'avez pas compris. Puisque quand on dit nègre, et qu'on te met dans une soumission, une domination, et on va en laboratoire, on te prouve que le blanc est plus mieux que le noir. Mais qui a démonté cela? Il fallait que des panafricanistes, dans le passé, des années 1800, démontre que le noir n'est pas un singe, puisqu'on était qualifié comme des singes. Mais qui l'a fait? C'est les scientifiques panafricains qui l'ont démontré que le noir n'est pas un singe. Mais les scientifiques français, et bon, à la peau blanche, ont démontré que nous sommes n'est pas des singes. Que nous avons des museaux qui ressemblent n'est pas aux museaux, n'est pas des singes et des guenons. Mais vous ne savez pas tout ça. Je n'ai pas été Sorbonnard. Mais vous, qui êtes des pseudo-intellectuels, vous attaquez les panafricanistes qui sont dans les territoires où la tête négrière a été. Si je ne me trompe pas, la France
a aboli l'esclavage en 1848, si je ne me trompe pas. Et après a suivi l'Angleterre, les États-Unis, j'en passe. Mais la tête des grillés, elle a continué. C'est ici que tout s'est passé. Pourquoi vous, ça vous dérange que vos, les aïeux, les enfants de ces enfants-là, de ces parents qui ont souffert, restent en France et se battent? Pourquoi vous, Nantes, qui a servi de lieu d'importation de nos aînés ici en Europe, en France, Nantes, qui a été construite dans le sang, par le sang de nos ancêtres, l'esclavage qui a construit par la France, pourquoi vous, ça vous dérange que nous, on puisse se battre ici en France? Pourquoi? Pourquoi toi, avant d'aller ne pas repeupler notre continent africain, ceux qui étaient déportés là, c'est ainsi qu'ils ont souffert les martyrs au Brésil, aux États-Unis et partout. Pourquoi vous voulez que nous, on puisse être empêchés d'être ici? C'est eux qui nous ont appelés ici, qui ont fait un vent d'appel à travers l'exploitation inhumaine de nos aînés, nos aïeux. Pourquoi vous êtes pas allergique, antipathique de notre combat? Pourquoi? Et à Bordeaux aussi. Notre combat, il est juste. Il n'est pas juste à poser, mais il est juste. Fédéral Leco, tout mon respect. Notre combat, il est profond. Il est lourd. Les frères et sœurs, on va arrêter là. Il est meilleur minuit. Car, vous voyez, j'étais déjà plongé dans le combat des panafricanistes. Voilà, vous avez vu, on est déjà à 36 minutes. C'est pour vous dire que le combat que nous menons, même hier, il fait une vidéo. Je n'ai pas parlé de ça. Puisque ils pensent que nous sommes des ignorants. Alors que nous sommes profonds. On laisse qu'on. C'est-à-dire que le ventre que tu tapes là, il faut d'abord taper pour voir le bruit que ça fait. Tant que tu ne tapes pas le tam-tam, tu ne sais pas ce que ça peut donner comme son. Donc moi, je veux qu'on tape mon ventre avant que je parle. J'ai pris le domaine du panafricanisme. Vous avez vu que je suis rentré dedans. Est-ce que tu as l'habitude de parler de ça? Non. Mais je sais où je vais. Donc je connais le bruit quand tu tapes le tam-tam et tu vas entendre le son que ça va donner. Donc quand il rentre dans le domaine du panafricanisme, je sais où je vais. Et je ne suis pas un arriviste. Nous ne sommes pas des arrivistes. Autant que mon frère, mon jeune frère, Fédéral Leco, était un intellectuel bardé, un homme cultivé, posé, on peut soutenir tous les débats. On peut soutenir tous les débats et à tous les niveaux. Nous sommes prêts. Nous ne sommes pas des sorbonnards, des doctorants, ni des consultants, mais on peut se tenir, rentrer au plus profond de nous et puis sortir un peu la crème de notre savoir qui est bas, mais qui est pertinent. Parce qu'on peut aller sortir là où les gens s'asseyent pour nous dire que nous sommes des panafricanistes en Europe, leur expliquer que ça va commencer en Afrique, ça va commencer ailleurs. Et quel est le but? Est-ce que l'objectif a été atteint? Non. Mais comme ce n'a pas été atteint, que ceux-là même qui ont permis cela, à travers l'esclavage et la tête négrière, et par contrainte, ont laissé cette tête négrière et l'esclavage à travers la grande porte et ont pu par la fenêtre, en nous donnant pas des indépendances sous tutelle. Et on vient chez eux pour leur dire non, on n'est pas indépendant. Et on vient chez eux, pas parce que nous voulons. Parce que nos aïeux ont bâti leur pays. Ils sont français, ils sont américains. Voilà pourquoi Obama est devenu une fois président des États-Unis. Parce que c'est à travers ce travail qu'il faut aller au contact. Quand je dis Kamala Harris est vice-président des États-Unis, parce qu'elle a étudié aux États-Unis. Elle est intellectuelle. Elle s'est engagée en politique et elle change le système. C'est parce que Ramayad a été ici en France. Elle change le système. C'est parce que les Juifs sont partis à l'école ici en France. Ils sont dans le système et ils changent le système envers pour l'Israël. C'est ça le système. Il faut inféoder le système. Il faut miner le système pour changer le système. C'est ça le combat. Le combat, c'est que nos enfants soient formés ici. Et qu'ils inféodent le système, et qu'ils véhiculent le combat du système, ils phagocytent le combat du système pour notre Afrique,
conflit d'intérêts pour qu'il change la donne, pour dire non, moi je suis française comme toi, je suis ta première ministre. En Afrique, il n'y a pas ça. C'est ça, c'est par là, moi, c'est des paradigmes. Si on laisse les Gaulois entre eux, les Gaulois, qui ont colonisé, n'est-ce pas, qui ont conquis des territoires d'Afrique, mais ils avaient une autre conception du blanc qui est le suprême, qui est le supra, qui est l'être suprême face à toi. Toi, tu es le nègre, mais qui t'appelle le nègre? C'est eux qui t'appellent le nègre. Mais si toi, tu laisses eux esceller, qui sont dans une domination, dans un esprit de conquête de territoire, d'âme, d'esprit, de personnes, mais ils seront toujours en train de nous coloniser. Mais dès l'instant, on a métissé le système, on a infiltré le système à travers notre engagement, à travers nos enfants et autres. Mais champion, on va changer les donnes. C'est le travail que nous faisons. Infiltrer le système, travailler pour un changement significatif et sortir les idées reçues de leurs aïeux gaulois qui ont fait passer les Africains pour les esclaves. Avoir des enfants avec eux également. Le métissage pour expliquer que nous sommes pareils. C'est ça le combat. Le combat n'est pas de rester en Afrique. Entre nous, vivant en autarcie, et eux également, mais il y a toujours un rapport de dominant à dominé. Si nous, on est en Afrique, et eux, c'est ça en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, mais il y a un rapport de dominant à dominé. Mais dès l'instant, nous sommes métissés. Dès l'instant, nous avons été formés dans les mêmes écoles. On a un rapport au niveau intellectuel qui est égal à égal. Qui est égal à égal. Et donc, sur ce terrain-là, on se défie. Et au niveau du travail, on se défie également. Et au niveau des prises de décision, ils sont obligés de faire référence à nous, puisque nous sommes députés, puisque nous sommes des élus, des maires, puisque nous sommes également des ministres. Notre parole compte. C'est ça le panafricanisme. On doit, de la même que nos aïeux, on su le faire, pas par la guerre, pas par les armes. Et ils ont eu l'idée du panafricanisme. C'est une idéologie économique, politique, sociale, économique. L'union des Africains, d'Afrique et de la diaspora. Créer un État africain, c'est ça, c'est important. Et donc, on peut arriver à cela. Dès l'instant, on arrive à convaincre ceux-là même qui nous ont maintenus en esclavage pendant des siècles. Et pour le faire, c'est à nous d'avoir la chuchote et la maniabilité de les pénétrer au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et au niveau familial. C'est à nous de le faire. C'est pas à eux de venir vers nous. C'est à nous maintenant d'infiltrer le système et de briser ce qu'ils ont mis en place depuis des décennies. C'est important. Bonne à vous. À demain. On va aller loin. On va pas aller loin ce soir. C'est bon, on va arrêter là. À demain. Merci beaucoup. Si on continue, l'inspiration est trop forte, ça va nous réveiller encore beaucoup de choses. Chaque chose a son temps et il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille, n'est-ce pas, au niveau intellectuel. Il faut qu'on travaille pour que les gens comprennent qu'on n'est pas dans un combat de contre la France, contre les États-Unis. C'est un combat, un travail. C'est à nous de travailler. C'est à nous de faire un travail sur nous-mêmes. Ce n'est pas à eux de faire un travail sur eux. Non. C'est à nous qui sommes les victimes de faire un travail sur nous-mêmes et d'approcher ceux-mêmes, nos bourreaux d'hier, qui ne sont pas fertiles à nos arguments. Mais leur expliquer, c'est à nous de le faire. Puisque eux ne sont pas prêts à faire leur mea culpa, comme le dit beaucoup de pays, à la France de reconnaître son histoire coloniale, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous d'aller vers eux et leur montrer à la face. Leurs enfants
ont reçu une idée que nous sommes des sous-hommes. Les enfants ont reçu une idée que l'esclavage était normal. Ils ont hérité d'une histoire qui est fausse. Donc c'est à nous de dire que non, vos aïeux vous ont menti. Vos aïeux nous ont colonisés, nous ont imposé ce que nous vivons aujourd'hui. On divise nos pays. C'est à nous de leur dire ça. Mais d'une manière intelligente, les professeurs, les enseignants, les docteurs, les médecins, les sages-femmes, les aides-soignantes, les agents de sécurité, c'est à nous de leur dire, de véhiculer le message. Qu'est-ce que nous vivons dans nos pays? C'est eux que nous sommes comptables. Nous sommes aujourd'hui, nous payons pas le prix du travail, des méfaits de leurs aïeux qui ont conquis des territoires, qui ont tué nos parents, nos aïeux, qui ont esclavagisé nos aînés, nos ancêtres. C'est à nous de faire le travail, les avocats. C'est un travail de longue haleine que d'aucuns ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un combat contre la France. Non. C'est un combat qui ne vise personne. C'est un combat pour la réhabilitation et la dignité de nos parents, nos ancêtres qui ont été tués injustement, qui ont été déportés comme des animaux, enchaînés. Est-ce que vous imaginez un petit peu, pour quelqu'un qui a fait une garde à vue, quand la police t'arrête, elle te menotte. Mais nos ancêtres ont été menottés. Ils ont été enchaînés comme des bêtes sauvages. Nos ancêtres ont été enchaînés comme des bêtes sauvages. Enchaînés par la main, des chaînes au cou, des chaînes aux pieds. Est-ce que les Africains d'aujourd'hui se rendent compte du combat que nous menons? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'ils ont une autre conception. Parce que nos ancêtres ont été enchaînés. Eux-mêmes nous enseignent dans les livres d'histoire. Qui l'a dit encore? Enfin, tu ne dis pas encore. Qui est-ce que tu dis d'accord? Fatima, tu ne dis pas encore. Qui est-ce que tu dis direct? Nos ancêtres ont été enchaînés de la main, au pied, au cou. Allez-y voir sur Google les esclaves de Gorée. Ils n'étaient pas des prisonniers. Ils n'ont commis aucun délit. Mais ils avaient un seul délit. Les délits de la peau. Les délits de la peau noire, c'est tout. Avaient-ils tué? Non. Mais ils avaient seulement un seul délit parce qu'ils étaient noirs. Enchaînés par la main, aux pieds, au cou. Et ils étaient en file indienne. Embarqués dans les bateaux, dans les cales des bateaux, comme des animaux, comme de la marchandise, déportés en Haïti, déportés au Brésil, déportés aux États-Unis, ces hommes ont perdu la vie. Ils n'ont commis aucun délit. Je suis ici, issu de cette Afrique-là. L'Afrique n'a commis aucun péché. L'Afrique intègre. Je suis les descendants de ceux-là qui n'ont rien commis comme crime, mais qui sont victimes jusqu'à nos jours. C'est le combat que nous menons. Bonne nuit à vous. À demain. Que Dieu vous bénisse. On attend le direct parce que Fatima a dit qu'elle va faire un direct là. On va voir le direct qu'elle va faire. Merci beaucoup à vous. Alima, Tango, vous voulez direct. Bon, il y a Tango qui a fait un direct tout à l'heure. Bon, bonne nuit à vous. Ouais, on veut me pousser dans mes retranchements. Fatima, tu ne dois pas aller ici là. Tango, à demain. Allez, prenez soin de vous, cassez de votre vie. Quand tu ne peux pas dormir, va dormir. Maman, mais vous faites quoi ici la nuit là? Il y a des gens qui ne font pas la nuit comme ça sur ma page.
Maman, arrête au rein. Va dormir. Va dormir. Quand j'ai vu le gourou, va dormir. Fatih le demain, va dormir. Attends. Alima, va dormir. Allez, bonne nuit. Je vous aime. Allez, à demain. Que Dieu vous bénisse.